Dans cette vidéo, on va mesurer un débit d'eau au compteur. Sur ce compteur de la marque Debord, on peut voir ici les mètres cubes, ici les décimètres cubes, c'est-à-dire les centaines de litres, les dizaines de litres, et enfin les litres. Pour mesurer un débit d'eau sur un compteur, il faut un chronomètre, par exemple sur votre téléphone, une calculette, et de quoi noter. On commence d'abord par relever le compteur. 4, 9, 6, 7, on relève donc 4 m3, 967. Mettre en service l'appareil à eau et lancer le chronomètre pendant 1 minute. Une minute plus tard, on peut éteindre la robinetterie ou l'appareil et là, on fait la relève à nouveau du compteur. 4, 9, 7, 6, on relève 4 m3, 976. Pour calculer le débit d'eau au compteur, il faut calculer la différence entre la fin et le début de la mesure. Ici, on obtient 0,09 m3, c'est-à-dire 9 litres. Il faut maintenant convertir le débit. Nous avons trouvé un débit de 9 litres par minute, ce qui nous fait en heure 0,009 m3 par minute multiplié par 60, c'est-à-dire 0,54 m3 heure, ou alors 9 litres par minute multiplié par 60, 540 litres heure. On peut aussi convertir en secondes en divisant nos résultats par 60. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci.